Avec le printemps de septembre, l'art contemporain s'expose dans les murs anciens ou insolites de la Ville Rose. Le concept a fait ses preuves, d'abord à Cahors pendant 10 ans, puis à Toulouse, où il prend de l'ampleur depuis 2002. Donc à Toulouse aujourd'hui, c'est dans un certain nombre de lieux d'exposition, toujours des lieux pour la plupart magiques, historiques, comme le cloître des Jacobins et bien d'autres, mais où il manquait un grand festival, et un festival d'art contemporain résolument tourné vers la modernité. Sous le titre In Extremis, cette édition 2004 aura rassemblé des œuvres sans parti pris, sinon celui de l'image et de son dépassement. C'est une exposition très exceptionnelle qui a lieu ici à Toulouse, dans cette ville marquée par l'histoire, par le passé, par les racines, qui accueille les formes les plus modernes et futuristes de l'art contemporain. Avec succès, ce festival a réussi à aborder ce rapport fluctuant de l'art contemporain à l'image avec une exposition libre et surprenante où ne sont ménagés ni les paradoxes ni les idées reçues.